la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Je me présente, je m'appelle donc Ange Paula, je suis une sorcière. J'ai mélangé la vie de mes parents. J'ai mélangé la vie de mes parents. J'ai gâté le mariage de ma grande soeur. J'ai gâté le voyage. Tu as tué combien de personnes? Trois personnes. Elle est venue qui? Venez. Comment vous l'avez envoyé ici? Comment s'est retrouvé ici? C'est mon fils qui est à Paris. C'est lui qui m'a fait un message là. Et d'aller chez vous. Il m'a dit de venir ici. Il y avait d'abord quoi, puis tu dois être venu ici? Décembre, là. Le 24, là, il y a ma petite fille qui est décédée. Ah, le 24 décembre? Ta petite fille est décédée? Elle est décédée. Elle avait quel âge? 5 ans. 5 ans, ouais. Mm-hmm. Elle est décédée, puis il y a un prophète chez nous. Et puis là. Comment elle est morte? Elle est morte comment? Elle est morte. Le matin, elle a mangé à côté. À midi. Je suis plutôt au marché, j'ai fait déchirer, je les ai donnés. Elle a fini de manger, je dis allons au salon, elle m'a dit que je on est parti regarder, moi j'étais couché, elle veut se coucher, net, elle a crié, maman! Elle a vomi du sang. Wow. On dirait on a coché pour les. Lolo. Moi-même, je ne sais pas où je suis. J'ai appris, je l'ai amené à l'hôpital, elle est restée là. C'est là le pasteur, elle a dit, un jour, c'est toi. Elle a nié. Le monsieur dit c'est toi. Et puis elle a dit papa c'est vrai. C'est moi qui l'ai dit. C'est comme ça que j'ai appelé mon fils. Et puis il m'a dit, il faut aller à Divo. Comme ta fille est là-bas, il faut aller là-bas. Il y a un pasteur qui a prié pour elle. Il y a le prophète qui a vu là-bas Joseph. Hein? Lui voit seulement. Il a fait. Lui dit il a fait, moi je ne sais pas, il dit il a prié. Moi comme je ne vois pas, il a prié. C'est mon fils qui m'a dit, il faut la prendre, il faut l'amener. C'est comme ça on est venu. Mais là on est venu. Parce qu'il faut que les gens sentent que ce n'est pas nous qui l'avons envoyé ici. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui vous a conduit ici. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué ma petite fille. Quand? Ta petite fille ou ta petite fille? La femme de son grand frère. Mais pourquoi tu l'as tué? Il faut parler rapidement. Il est tué, il est tué, il a pris le bois, il est ensemble. Mais pourquoi? Il y a quoi? Parce que je devais, je devais donner pour moi. Hein? Je devais, je devais donner pour moi. Mais c'est elle qui a dit que tu veux. Il faut parler. Oh, il faut parler. Oui. Et tu l'as ensemble le bois. Oui. Un peu de mort. Et ça, vous ne voulez pas qu'on combat la société. Hein? Un enfant de 5 ans qui t'a rien fait. C'est elle qui t'a dit d'aller faire société. Non. Mais pourquoi c'est elle qui t'a. Et tu as tué, tu dis toi. La deuxième personne, c'est qui? Le petit frère de mon papa. Le grand frère. Le grand frère. Sa femme. Elle les a tués les deux. Comment? Oui, je lui ai donné conseil
cœur. Comment tu as donné le cancer? J'en ai une poudre noire dans l'eau. Hein? J'ai mis une poudre noire dans l'eau. Mm-hmm. Que ça le donne. Il a bu. Oui. Elle a bu. Ah, c'est elle. Mm-hmm. C'est comme, tu as dit tout à l'heure, le petit frère. C'est ça, il a dit il. Tu dis tu as tué les deux. Mm-hmm. Donc on commence par qui? La femme? La femme. Ok. C'est la femme qui a donné l'eau avec la poudre. Non, tu as mis la poudre dans l'eau. Oui, puis elle a donné bien la poudre. Oui. Elle a dit quoi? Comment elle a pu boire l'eau? Elle t'a envoyé de l'eau ou bien c'est... Elle m'a dit de l'envoyer l'eau. De l'eau, elle va boire. Voilà. Et tu as mis ça où? À la cuisine. À la cuisine. Le robinet de l'eau. Ok. Puis j'ai pris le poudre noir. Le poudre noir, il t'a mis dedans. Oui. C'était pour donner le cancer. Mm-hmm. Elle a bu. Elle a bu. Et le fur et à mesure, un peu un peu. La chose, la rongeait. Voilà. C'est comme ça, elle est décédée. Maintenant, le mari, le petit frère, ton oncle. Mm-hmm. Comment tu l'as tué? Oui, c'est parce qu'elle a dit. C'est ah, mais non, vas-y rapidement, on a beaucoup à faire. Je l'ai tué, j'ai appuyé sa gorge. Comment? Là, son Seigneur. Oui, c'est à quelle occasion? Ça s'explique comment? C'est la nuit. J'ai appuyé, c'est pour ça que quand vous voyez les petites filles dans la rue, il faut les dépasser. La voix, tu dis, ah la maman, elle est jolie. Hein? Maman, ça va, j'ai pas ton numéro. Les petits filles ont leur téléphone. Non? Elles ont tous les mots, tout ça, non, les miens, même pas la nuit, le téléphone. Ce qu'elle va te montrer. Ah. J'ai délivré une petite qualité en Italie. Je parlais avec elle. Une sorcière. Elle est dans l'hôpital, elle tue les gens. Elle, en Italie, elle tue. Sorcellerie, tout ça. Dans la salle, tout ça. Pendant qu'elle parlait d'elle, elle voulait me séduire. Il dit, Nénine. Oh, mon gars qui est à côté, le commando, il est. Quand je lui ai dit, mais tu fais quoi? C'est là que c'est ressaisi. Ah, il me dit, papa, elle a failli me prendre. Je dis tes conneries là, conneries. Ah que tes conneries. Lui ça l'a bien pris. Elle a pipé le gars, elle a pris le gars. Un pipage. Il a décroché en même temps. Bip la même, il décroche. Elles sont dangereuses. Hein? Les petits, mais elles sont dangereuses pour s'y. Elles sont dangereuses plus que les vieilles mères. Elle me dit, vous voyez là. Gardez votre argent, nos tantes là, pardonnez. Allez acheter leur habit. Sinon, c'est comme on vous montrer. Elles sont sur Facebook. Elles sont partout. Sur Viber. Tiens, portable. Je savais. Et t'as pas portable qui va avoir. Oui, donc, tu as la facilité de tuer. Et quand tu tues, ça te fait quoi? Ça fait rien. Après, ça me fait mal. Et tu as gâté qui? J'ai gâté le mariage de mon frère. Comment? Pour moi-même. Attends, ta hein? J'ai gâté le mariage de mon grand frère. Quel grand frère? David. Il est où? Il est à Comment tu as gâté son mariage? Je vais se marier avec mes enfants. On allait dans le camp, on a appelé son nom trois fois. Il n'a pas pu se marier. Non, tu n'expliques pas bien. Il a appelé ton nom trois fois, il n'a pas pu se marier. Ça veut dire, comment tu as gâté son mariage? Il y a eu quel élément qui a fait que les deux se sont séparés? C'est ce que je veux savoir. Et quel acte tu as posé pour que les deux ne se marient plus? J'ai posé la division. Comment tu as fait? Je suis allée dans mon camp la nuit. Puis j'ai appelé son nom trois fois. Ou sa femme trois fois. Donc quand les gars se voient, les gars se chiquent. Tu les as appelés trois fois, tu as dit, si vous voyez, faites par là. Ah toi, tu t'es sage. Tu l'as appelé les gens trois fois, ça veut rien dire. Tu as appelé, même s'il répond, ça fait quoi?
Peut-être que tu as dit, j'ai mis la division, j'ai... Voilà, c'est ça? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a parlé de mariage. Bon, la vieille même. Elle a dit ça va pour elle. Elle devait se marier. Elle a dit tu veux te marier. On a tout dans son papa même. On a tout payé les choses. Donc on fait payer tout. Laisse-la parler. Mon fils qui est en France, hein? Il a tout payé les choses. Il dit comme il a tiré à ton père. Il allait faire un mariage. Il n'y a rien même. Pour faire un petit frère, quand vous allez faire un mariage. Il a payé toutes les choses. Le monsieur même. Rome, la vie, ça va. Tout. A vu tout. Et puis, mon mari était dans les talons. On a pris l'argent, on a gâté de déposer à la mairie. C'est pas dans les choses de Ghana. Je suis des femmes ghanéennes. C'est pas en haut. Mmh. Ah. On a pris l'argent, 40 000 pour aller déposer. Le mariage. Mmh. Vous avez payé tout à la mairie. Le lendemain. Comme ça, vous avez dit oui, oui. Voilà. Tu l'aimes. Il ne va plus. Il dit. Il ne va plus. Par là, il dit pourquoi mon fils il papa. Il ne va plus. Il dit pourquoi son fils n'a pas donné l'argent en espèce pour lui, mais il va payer ses choses. Et puis il a payé ça là-bas, donc il ne fait plus mariage. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Et il est allé où? Il est là. On ne sépare pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous pouvez l'inviter chez moi. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va venir? Il va m'inviter. Non, c'est comme ça. Vous voulez qu'elle est-il? Je suis Didal de Dibomé. Est-ce qu'il va tout me marier à Gagnoua? C'est beaucoup. Radaïo. Je suis Didal de Dibomé. Je suis Didal de Dibomé. Je suis Didal de Dibomé. Je suis qu'est-ce que ça a à voir, Bété? Sa grande sœur est allée à Paris. Quatre fois, ils ont fait papier. Depuis, elle est là. Même tout dernièrement, elle va partir. Elle est partie lundi, lundi. Il n'y a pas papier. Donc, elle n'a pas fait tout. Et le vieux, il est où, le mari? Mari, toi. Il est au village. C'est pas toi. Ça va aller. Il a bien à vous-même. Janvier, c'est si j'ai fait janvier. C'est tout ça. Vous mettez là, c'est pas tout. Même le frère, décembre, il m'a rien donné pour faire manger. Mais quelqu'un qui est fâché, là, tu rien. Quand c'est pas, j'ai pris mes parents, je suis venu m'asseoir chez ma fille. Ils ont gagné, toi, tu sais pas ça. C'est ça qu'elle voulait. Toi, tu penses que tu es venu, mais ils ont gagné. Non, normalement, c'est à cause de celle-là, je suis venu même. Pas à cause de lui. Maintenant, pourquoi tu parles de mariage? Pourquoi tu as parlé pour toi? Parce que c'est elle qui a gâté. Elle a dit qu'elle a gâté le mariage. C'est elle qui a gâté parce qu'on a tout payé. On a tout payé. Manger tout et puis c'est gâté. Mais maintenant, faut laisser ça. Maintenant, toi, tu sais que ton âme est sous l'origine. C'est tout le monde qui te fâche plus. C'est fini. C'est fini, maman. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. C'est qui elle? Non, barrière, ça peut répartir. Bien sûr. Non, je n'ai pas envoyé à ça des barrières. Viens soigner vous-même là, tu vas passer. Ça fait mal, hein? Quand tu vois la blague. C'est elle-même. Ma belle-sœur qui est en Paris. Ya, oh, ya, 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 ya. Elle, c'est ma belle.
Ah, ne parle pas, je pas, suis pas de parler. Elle n'a qu'à parler, ce qui est là, ça va passer. Elle n'a pas de parler. Si on vous met deux dans la chambre, elle va te manger son grain. Parce que ma prière est forte. Puis t'as quitté ma puis ma reine, là, ta prière est forte, puis le monsieur t'a pas. Si prière est forte, la monsieur elle n'est pas. Faut aller doucement. Faut aller doucement. Ici, là, on va doucement pour régler. Le diable, si ta prière était forte, monsieur elle n'est pas, il a été même pas. Faut aller doucement. Après les sorcelleries là, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Donc il faut aller doucement. Si tu sais d'où vient ton problème, tu te maîtrises et tu n'irais pas dans la chair. Tu vas doucement et le Seigneur s'occupe du reste. Ça fait mal, moi je sais. Tout le monde tu as dit aux gens d'être marié. Ou bien, malin de ça dans le quartier. Et puis un matin on dit non. Ha? Puis surtout il y a plein qui est déjà l'argent pour la fête. C'est ça non la vieille. Les chaussures sont là, la cravate du monsieur, porte plus, il ne veut plus mettre sa ceinture. Ça va aller. Oh, elle est la fin d'elle à parler, c'est bon. Ok, donc tu as séparé le vieux comme ça. Quand ta maman est mariée, c'est pas bon. Et le village là-bas, il voit Bani. Belé. Il a deux fois mariage. Tu vas te marier cette année. Et tu m'inviteras au mariage. Tu connais bien tes critiques. Tu vas dans la sauce quand tu es. Pourquoi faire la sauce tes critiques? Tu vas le faire les gâteaux là. Moi, il m'a pas gâteau. La sauce tes critiques, le riz. Bête tes sacs. Tes critiques. Ça va? Oui, ça va. Tu vas laisser la famille? Oui. Jésus. Jésus. Te libère. Prenez ici. Sa puissance est là. Sorcerers have been possessed. Tu vas la libérer. You release him. Maintenant. Right now. The speed. Spirits. De la sorcellerie. The witchcraft. Esprit. Spirits. De la sorcellerie. The witchcraft. Chanel. Out of her. Nom de Jésus. In Jesus' name. Tu vas la libérer. You release him. C'est un art. It's an honor. Tu vas la libérer. You release her. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Libère. Release her. Libère. Release her. Sort out. Keep so far. Leave her body. Elle est possédée, c'est un esprit. She is possessed. Elle a mis en elle. In her. Qui la pousse. Which allows her. A fait ses pratiques. Et tant que l'esprit ne sort pas de son corps. To act. Till the spirit does not go. Elle continuera d'ouvrir avec son ciel. Her body. Soleil. Soleil. Lâche-la. Release it. C'est un art. It's an order. C'est un art. It's an order.
Sort out. Lâche, release her. Sort out. Fais-toi. Fire on you. Sonnez out of her. Libère son âme. Release her soul. Libère son âme. Release her soul. Libère son âme. Release her soul. Si. Si. Tu vas la libérer. You release. Voilà, sort. Out. Sort. The devil cannot resist for a long time. My devil, you don't know what you don't like. Jésus-Christ va résoudre tous tes problèmes. Amen. Viens. Oh. Puis tu lui que tu l'as pardonné. Que tu l'aimes. Je t'ai pardonné. Pas l'embêter. Je pense à toi. Amen. Tu peux pas venir. C'est parce que je t'aime que je te suis. C'est parce que tes frères et soeurs t'aiment qu'on t'envoie ici. Que c'est fini. Que Dieu descende de nous exaucer. Amen. J'ai bien traduit. La puissance de Dieu, merci. Pour la grâce, j'annule le travail de ta vie. Pendant que je te pose la main, j'annule tout ce que le diable a fait sur ta vie, celle de ton époux, de ta famille. Je proclame ta délivrance aujourd'hui, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Libéré, c'est fini. Dimanche, on va la libérer. Va rendre son témoignage dimanche. Écoute, allez, pas. Et Dieu merci à Dieu. So thank you to the Lord. Dieu m'a libéré. I've been released. De la société. From witchcraft. Dieu merci à Dieu. On n'a pas bien compris. Ton témoignage. Your testimony. J'étais une sorcière. I was a witch. Dieu m'a délivré. And I've been delivered by God. Et Dieu merci à Dieu. Faisais quoi en bon? I thank you. What did you do in the past? I used to get le mariage de ma famille. Le mariage de ma famille. Oui. My family is waiting. Dieu m'a délivré. Merci à Dieu. Thank quand you. Marielle, sa maman, elle a gâté. Maintenant, tout est en ordre. Naïri Koko Koko. There you go back, practicing witchcraft.